une association caritative, Pink Lady 57, PLS 57, pour le sport 57. Voilà, c'est la grosse manifestation de l'année où on reverse tous nos bénéfices aux Dames de Cœur de Thionville. Alors, la Florangeoise, du coup, ben, nous, on est, on va dire, les petites sœurs des Dames de Cœur de Thionville. Et du coup, ben, on récolte de l'argent, donc des dons pour les aider. Et les Dames de Cœur, elles font plein de choses pour le bien-être des personnes malades. Pas forcément que de la maladie du cancer du sein. Maintenant, elles se sont développées sur plusieurs maladies. L'année dernière, pour la Florangeoise, on a réussi à récolter 8 100 € qu'on a reversés donc aux Dames de Cœur. Et sur les 9 ans que l'association existe, elles ont réussi à verser plus de 30 000 €. Ah ben, une satisfaction pour toute l'équipe, le beau temps, du monde, plus que l'année dernière après la reprise après Covid. On retrouve sur une fréquentation comme on l'avait les autres années. 160 bénévoles, une grosse logistique, des heures de travail, beaucoup de fatigue, mais le résultat est là aujourd'hui, quoi. On installe tout, après les gens arrivent vers 9h, 9h30, il y a des animations, des danses, de la musique. Et après, il y a un départ pour les coureurs qui font à peu près 10 km et un départ pour les marcheurs sur 5 km. Et après, on peut manger sur place et continuer les animations. Alors aujourd'hui, on a plus de 700 participants et moi, j'ai réussi à créer une équipe de 73 personnes qui viennent spécialement pour moi.